Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan's Reborn. Yeah! Alors, si vous êtes tous abonnés, cliquez là sur abonner pour activer la cloche d'abord, manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir, c'est très simple. Vous pouvez faire les dons via les moyens qui se trouvent dans la description. Vous pouvez faire les dons via PayPal, notre banque et Western Union. Yeah. Et la vidéo qui va suivre, c'est une vidéo très puissante, une vidéo extraordinaire. Regardez-la et dites-nous ce que vous en pensez dans la partie commentaire. Retenez bien que Nyan's Reborn est la chaîne qu'il vous faut et Dieu lui-même vous parle aujourd'hui. Let's go! Professionnel à tous. Wow! Oh! Qui est-ce? C'est Nyan's Reborn! Bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse que vous regardez cette vidéo. Nous vous rappelons que désormais, nos réseaux sociaux sont ouverts. Vous pouvez vous abonner sur nos Twitter et Instagram, même YouTube qui arrive, la page YouTube qui arrive en dessous de cette vidéo. Merci les frères et sœurs pour tout ce que vous faites. Et en ce moment, nous sommes en train de travailler dur également. Pour réouvrir la chaîne YouTube Young Reborn qui était fermée, la chaîne qui avait 11 000 abonnés et c'est sur la bonne voie aujourd'hui. Le combat continue. Merci les frères et sœurs. Maintenant, sautez. Bougez un peu parce que ici nous sommes toujours chaud. Let's go. Wouh, c'est chaud ce matin. Let's go. Bien, mes frères et sœurs, bienvenue sur une vidéo encore puissante, comme vous le savez, où Dieu lui-même veut nous parler, veut nous révéler des choses tellement graves qui se passent dans notre monde. Ah! Comme vous l'avez vu dans les titres, c'est presque incroyable. Comme une femme peut-elle se transformer en cercueil? Comme une femme peut-elle se transformer en serpent? Mes frères et sœurs, C'est impossible. C'est-à-dire, le commun du mortel va dire non. On ne peut pas croire à cela. Ça ne peut pas se réaliser. Mais nous sommes désolés de vous informer que ces femmes que vous avez vues là ne sont pas des femmes ordinaires. C'est pourquoi vous allez vous comprendre ce que nous sommes en train de vous dire ici. Ça, vous devez savoir ça avant que nous allions en profondeur. Et si vous avez eu peur, après avoir entendu des choses, ce genre de choses, parce qu'il y aura forcément des choses qui vont faire peur à certains, mes frères et sœurs, n'ayez pas peur. Et si vous voyez que vous avez peur, passez un peu la vidéo de quelques minutes et c'est parti. Let's go. Que s'est-il passé maintenant? Nous allons tout vous dire. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse de ce que vous regardez cette vidéo. Si nous faisons cette vidéo, c'est pour sauver des vies, sauver des âmes. Parce qu'une personne qui est dans cette situation, franchement, on ne sait pas comment elle va faire pour s'en sortir. Voici des gens comme vous et nous, qui un samedi ont décidé de sortir. Et comme tous les samedis, ils ont avec eux des femmes. C'est-à-dire, ils vont toujours les samedis dans les boîtes de nuit, dans les maquis, dans les endroits de ce genre. Et ils aiment toujours être accompagnés par des femmes, avoir de nouvelles femmes. Vous voyez? Et voici que un parmi eux va rencontrer une fille. Une fille comme d'habitude, c'est son habitude, il a l'habitude de faire ça. Il a l'habitude de faire ça parce que pour lui, tous les samedis, il doit avoir une femme. C'est un homme de la fête. L'un homme du samedi, il aime bien la joie, tout ça. Et voici que cet homme va rencontrer une fille et sans tarder, il va amener cette fille-là à l'hôtel. Ah! Vous avez déjà entendu parler des gens d'histoire où on parle de un homme qui a tout simplement rencontré un revenant. Voilà, ça peut pas le même type. Vous savez qu'il y a les femmes qui viennent du monde des ténèbres ou encore du monde sous-marin ou du monde de la sirène qui viennent directement dans ce monde. C'est surtout les samedis qui viennent souvent. Aujourd'hui, samedi, c'est surtout les samedis même.
Hey, quand ces gens-là viennent, arrivent dans ce monde, ils vont dans les bois de nuit. Ou encore dans les maquis, dans les endroits ténébreux. En général, c'est là-bas qu'ils vont pour attirer les gens, les piéger et leur conduire de ces genres de situations afin de les éliminer plus tard. Parce que ces gens-là sont en chasse, ce sont des chasseurs. Et ces femmes-là sont dans ce monde. Et quand cet homme va rencontrer une telle personne de cette façon-là, une femme pareille, qui va aller avec elle-même dans l'hôtel, voici quelque chose de vraiment grave qui va se passer là-bas. Quand il va entrer avec cette femme à l'hôtel, comme toujours, vous savez, avant de passer à l'acte là, qu'est-ce qui se passe? Les préliminaires, ils doivent embrasser la fille. Après la fille, nous ne sommes pas là pour vous amener à le faire. Nous sommes là tout simplement pour vous amener à comprendre quelque chose, le message qui se cache derrière. Voilà, et il va d'abord embrasser la fille, faire des trucs, faire certaines choses. Et à un moment donné, là, la fille va se déshabiller. Voilà, la fille s'est déshabillée et lui, il était couché sur le lit. À un moment donné, il s'est levé, il a dit qu'il va aller où uriner. La fille était là, dans la chambre. Et quand il est revenu là, au lieu de trouver une femme sur le lit, c'était plutôt un serpent qu'il a vu là. Ça veut dire que la fille s'est transformée en serpent, puisqu'elle n'est pas là, elle n'est plus là. Et la fille, c'était un serpent qui était tout simplement là. Ça, c'était le premier cas. Voici encore d'autres témoignages qu'on a reçus. Des personnes qui ont dit que eux, c'est-à-dire, voici l'homme. Un homme, il était simplement allé dans un endroit pareil, avec une fille encore. Et quand il est arrivé là-bas, le moment de se déshabiller là, cette fois, lui, il n'est pas allé dans la douche. Il était couché sur son lit. Et peut-être qu'il était couché sur le lit, là. La fille, elle, derrière, lui a dit, « Tourne-toi, fais face au mur. Pendant que je me déshabille, je veux que ce soit une surprise pour toi. » Il est là, il l'observe. Il attend qu'elle finisse de se déshabiller. Il y avait du bruit au départ. À un moment donné, il n'y a pas d'appui, il n'y a plus de bruit. Et il est là, il attend toujours. Elle ne finit pas. Il demande, mais ah, tu as fini, je peux me retourner pour te regarder, pour voir combien de fois tu es belle. Ah! Regardez maintenant. Elle ne parle pas. Donc lui me dit, bon, ok, bon, il retourne. Il retourne. Qu'est-ce qu'il va voir là? Un cercueil. Un cercueil. Mes frères et sœurs, ces gens d'histoire, vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas informés. Il y a même des acteurs de films, des gens qui font des films qui se sont inspirés de cette histoire pour faire un film carrément, pour expliquer ça. Il y a une autre histoire même où c'est une femme qui s'est transformée en une bague. Et quand cette bague est tombée à toucher le sol, dès que l'homme est allé pour essayer de toucher cette bague-là, puisque la femme était transformée en bague, donc lui voulait toucher la bague qui était là, tombée à terre, dès qu'il a touché la bague net, il s'est retrouvé dans un autre monde, parmi des gens emprisonnés. Et vous savez, il était parmi qui? Vous savez parmi qui il était? Il était parmi des sorcières qui étaient en train de rire. On l'a eu! On te cherchait, maintenant on t'a eu. Tu es une femme, non? Aujourd'hui, là, tu es ici. Tu vas mourir ici. Et la première personne qui a rencontré le serpent, là, vous allez vous poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Dès qu'il a vu le serpent, il a fui en culotte, torse nu, foulement en train de courir. Même les gens de l'hôtel étaient étonnés. Ils ne savaient pas ce qui s'est passé. Comment il va s'arrêter pour expliquer? Il était en train de courir, il n'a jamais vu ça. Voici encore une autre femme, une autre fille. Elle allait sortir avec un homme, cet homme-là. Lui, elle ne sait même pas d'où il vient. Mais comme c'est le show, c'est la vie, c'est le samedi, on se dit que tout est permis. Et voici que après toute cette histoire, après leur amusement au collège Java dans la boîte de nuit, ils vont se retrouver dans un hôtel hors hors de l'endroit où ils sont censés être, en tout cas éloigné de la ville où ils étaient dans cette boîte de nuit. Et voici que quand ils vont arriver dans cet hôtel,
il faut avoir même des rapports comme vous le connaissez. Et le matin, quand elle va se réveiller, elle va se retrouver sur une tombe. Une tombe. Et cet homme-là, il n'est plus là. Ah! Quelqu'un m'a dit, mais c'est incroyable. Quand on vous raconte ce genre de choses-là, beaucoup de personnes vont dire, oh, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais il y a même en ce moment où je parle à Science Reborn, des témoignages qui expliquent ça, ou des ex-satanistes expliquent eux-mêmes ce qui s'est passé. En fait, concernant les femmes là, souvent les sirènes quittent le monde pour venir traumatiser les gens ici. Même des démons en forme de chair viennent sur la terre pour faire ça. Parce que parmi les gens avec qui nous marchons là, ne sont pas tous des humains. Hein. Ne sont pas tous des humains. Il y a parfois des démons parmi nous, on marche parmi des démons, même des sorciers, vous n'avez pas dit que vous n'êtes pas informé. Quand un sorcier veut faire ça ou un démon veut faire ça, c'est facile. Il n'y a pas de surprise dedans, c'est pas compliqué pour lui. Mais nous, nous devons faire attention, c'est là que nous venons venir. La vie de débauche, tous les samedis, vous voulez sortir avec une femme ici, tu ne sais même pas qui sont ses parents. Tu veux coucher avec elle la même nuit, le même jour. Ah! C'est quel comportement ça? Si tu as tel comportement, tu risques de rencontrer une telle personne, même des maladies mystiques. Parce que quand tu as des rapports sexuels avec un sorcier ou une sirène qui veut te faire du mal, elle peut te transmettre une maladie mystique. Quand tu vas à l'hôpital, on dit que cette maladie-là, c'est le sida aujourd'hui. Demain, là, on va dire que c'est le paludisme. Après, demain, on va dire que c'est fin du fruit. Ça va changer jusqu'à ce que toi-même, là, tu finis par mourir. Ah! Tu es mort d'une maladie mystique ou encore d'une maladie dont on ne connaît même pas le nom. Si nous vous avons fait cette vidéo, c'est pour sauver des vies, c'est pour vous dire que c'est le moment de vous donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ et de sortir de cette vie de débauche, de sortir de la mauvaise vie, comme le dit la parole de Dieu, afin que vous soyez sauvés. Abonnez-vous au Seigneur Scoborn. Abonnez-vous également, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, même Facebook qui va venir. Si c'est un de ces hebdos, abonnez-vous également sur la page et ne manquez pas nos prochaines vidéos. Merci également à tous ceux qui font des dons pour nous soutenir. Que Dieu lui-même vous bénisse. Et c'est parti. Bon visionnage à tous pour la prochaine vidéo qui va sans doute vous intéresser. Nous parlerons de choses encore extraordinaires. Et c'est Seigneur Scoborn. Que ça se passe. Let's go. Merci à tous ceux qui regardent cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et qui vous garde. Let's go.